Bonjour, deuxième essai avec une hélice tripale de même diamètre. Donc là, ça va vraiment être à l'œil. Je pense que le plomb que tu as déplacé n'est pas encore tout à fait... Donc on va pouvoir le remettre, mais... Ah, j'ai l'impression... Allez, c'est vraiment une impression qui va bien. C'est pas flagrant, mais... Ah oui, là, il y a de la fumée qui sort. Sérieux, il y a de la fumée qui sort? Il faut vraiment regarder très près, les enfants. Il plonge un peu, on dirait, non? Peut-être il plonge un peu, ouais. Ouais. Quoique, non, il a l'air pas trop mal. Hein. Il plonge un peu, ouais. Tu sais, le 3 pales, c'est pas flagrant quand même. Hein. Elle est pas trop loin, parce que ce qui serait trop bien, super bien, c'est qu'il y a une caméra dessus. Comme ça, on peut regarder. Ah, il va très gentiment, ouais, mais... Ouais, pas mal, là. On voit pas comme ça. On voit l'œil, mais on voit pas. Discrète. Quel beau soleil en tout cas, quel beau soleil. Il n'y a rien, on pourrait mettre une caméra là-dedans. Il n'y a plus d'eau. Le bateau, c'est moi qui l'ai construit récemment. Ah d'accord. Mais sinon, c'est un plan qui date des années 2012. Si tu l'enlèves, je pense qu'il est légèrement sur tribord quand même, hein. Non? Ah non, je pense, laisse-le comme ça. Tu gagnes pas grand-chose. Par contre, il est toujours sur la proue. Moi, j'en ai mis plusieurs. Ne tombez pas à l'eau, les enfants. Oh, t'entends? Ce qui est amusant, c'est que dès que tu bouges le gouvernail, t'as vu, il fait de la mousse. Hein. Ah oui, parce que là, c'est vraiment... Il y en a entière, maman. Ah non, c'est pas une moto. Une motocross, ouais. Encore un autre souci. Oh, décidément. Non, il a quand même... Qui a dit que la vapeur, c'était un long fleuve tranquille, hein? Il a encore de l'eau, là, quand même, j'espère. Il a de l'eau? Bah, on va vérifier, il a de l'eau, mais il tourne plus, là. Il avance plus, là. Il va pas tout à fait gagner sa course, là, s'il va à cette vitesse-là. Sérieusement, il est si court que ça? Ah, t'as des algues. Ah oui, les algues. Bon, d'accord. Ah, okay, il y en a beaucoup. Tu entends le brûleur? J'entends rien du tout, moi. Oh, on l'entend. Ouais, mais t'as un paquet d'algues, j'ai l'impression, derrière. Ah bah, non? Au départ, quand on l'a mis, oui. Hein. Mais il y a encore plus de terre. Bah, il est beau aussi, le bateau, quand même, là-bas. Oh, quel bateau? La maquette. Ah oui, le premier, le premier. Oui, mais l'autre aussi, il est pas beau. Lequel vous préférez, vous, le grand ou le petit? Moi, je dis le petit. Ici, le grand. Mais là, il marche super bien. Ah ben non, moi, je suis entre les deux. J'aime pas ce bruit. C'était d'accord. En vrai, les deux, ils sont trop bien. Vas-y, laisse-le pour moi. Regarde ça comme ils foncent tout d'un coup, là. Comment t'expliques ça? Il y a régal. Et l'autre, il est tellement lourd que... Ouais, il est une passe à barre, c'est sûr. Ah. Le truc on est bien là. Ah aussi. S'il était aussi lourd que celui-là qui est léger, qui fait aussi lourd, à ce qu'il paraît, il gagnerait. Bah ouais. Parce que le moteur doit être très puissant. J'ai perdu du coup. Allez là. Je vois rien du tout avec le reflet du soleil. Bah vous, les amis, imaginez, ils font une course dans un champ d'algues. Mais elle a sauté comme ça. C'est une voiture télécommandée. Bah, les plus courants, c'est les voitures télécommandées. Tu devrais revenir quand on regarde la pression de service. Ah, en plus, elle va vite. Pour voir si elle s'écroule. Je sais. L'avantage de sur le mien, c'est que comme de toute façon il va pas vite au début, je le vois même pas ralentir. Si, pourtant il a une bonne pression, hein, de ce que je vois. Il est vertical, il est à 3 barres, je pense, pas loin de 3 barres. Oh purée! Elle a failli être en arrière! T'as vu ce qu'elle a fait? Non, c'est bien. En plus, il ne fume pas trop, donc c'est-à-dire que tu perds pas trop par les glaces.
Ouais, là, il accélère bien et puis... Ouais, ouais, pas mal, non. Bon ben, voilà, on va continuer les essais. Au revoir les amis.